Shalom, shalom. Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes pratiquement à cette date du 1er octobre, dimanche 1er octobre 2016. Vous constatez, je suis avec mon fils spirituel, Dibi Fernand d'Italie. Voilà, il est arrivé hier. Moi, je suis arrivé tout à l'heure de Lomé pour une action prophétique, comme la Bible le dit dans Juges chapitre 6, verset 27, va et détruit les hôtels de Baal. Vous savez que les Togolais, voilà, donc j'en ai des fils spirituels qui avaient des soucis, donc je suis allé à son invitation. Tout ça, c'était un peu discret, parce que c'est un truc de famille. Voilà, donc je suis de retour. Mon rôle arrive à 10h45, 55 d'Abidjan. Voilà, donc lui il est arrivé hier d'Italie, il est à mon domicile privé, ma résidence privée de l'Amidjan. Donc nous sommes en train d'échanger par rapport au programme concernant, n'est-ce pas, la tournée européenne, parce que celui qui est chargé de piloter l'organisation. Voilà, donc très bientôt, d'ici deux jours, nous aurons l'occasion de vous faire un retour d'une vidéo où on aura vraiment tout, vous avez toutes les informations. Toutes les informations, d'où j'ai parti, qu'est-ce que j'ai fait, quels sont ceux qui vont m'accueillir, tout ça, c'était vraiment important. C'était vraiment important parce que, avec l'expérience qu'on a vécue dans le Paris, c'est vrai qu'il y avait assez de monde, mais il y avait une bonne organisation qui faisait que le prophète même, celui qui s'est pris en charge, il fallait cotiser, on n'avait pas la liquidité, donc il fallait demander aux enfants spirituels. Et après, ils ont remboursé leur argent dans les salles. Et c'est avec pour ça qu'on a suspendu actuellement Paris. Voilà, Paris. Pas pour autre chose, hein. C'est ça qui s'est un peu suspendu pour le moment, Paris. On aura l'occasion d'organiser. Donc, on commence par l'Italie. Avec l'expérience que j'ai d'eux, déjà en matière d'organisation, super. Avec l'expérience que j'ai d'eux, déjà, donc on commence par l'Italie. Après ça, on aura l'occasion de toucher Toulouse, après ça, Lyon. Voilà, tout ça. Donc, mais il faut que je sois rassuré que si j'arrive à Toulouse, quels sont ceux qui organisent Toulouse, comment ils comptent m'accueillir à Toulouse, comment me recevoir, tout ça c'est important. Comment Lyon compte me recevoir, on a déjà la salle, les flyers de Lyon c'est déjà fini. Voilà, donc j'ai fait un coucou comme de l'organisation de Lyon, ils sont déjà prêts, hein. C'est déjà prêt, les flyers ont commencé de la publicité. Ce problème de moi de Toulouse, il y a encore un souci parce que c'est vrai qu'ils m'ont appelé pour avoir des informations. Voilà, c'était mon niveau, il fallait que j'attende Dibi, faire mon fils, en fait, de pouvoir lancer certaines choses. Mais je tiens à lui dire merci pour le courage qu'il a déjà, avec le boulot, en même temps, le coup de fils, c'est pas comme tout facile, celui qui pilote et tout ça. Mais pour dire, nous sommes de tout cœur avec vous, nous venons justement pour vous aider. Nous venons justement pour vous aider, vous apporter notre assistance spirituelle, afin que vous puissiez, n'est-ce pas, réussir dans votre vie, afin de pouvoir, n'est-ce pas, venir investir dans la vie. Tel est un peu le combat que nous menons. Et dans cette tournée, il y aura quand même, on aura l'occasion de mettre la main sur cette personne. Vous les suivre. Après cette rencontre, on aura l'occasion de vous suivre. Et si vous avez un souci au niveau de l'Afrique, vous venez comme ça, vous avez peut-être, on ne sait jamais, vous avez un problème de funérailles, tel que le frère Bogalet, mon fils qui siège chez moi, il a l'enfant. Faire les réunions de famille, mais il vit chez moi ici. C'est l'église qui a pris la charge d'organiser les funérailles de sa maman, la sonorisation de l'église, tout ça. Voilà, donc c'est pour dire que désormais, c'est une connexion entre de fils à père. Si vous avez des soucis, vous venez en Côte d'Ivoire, par la grâce de Dieu, nous aurons l'occasion de vous assister, de vous aider spirituellement. Voilà, donc pour dire que sur le tout cœur avec vous, donc j'en profite aussi avec cette vidéo. C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris la maladie de mon fils Ben Willy. Voilà, Ben Willy, quand j'ai appris, j'étais vraiment touché. Parce que, tout compte faire, j'avais des enfants spirituels au niveau de l'Europe. Et quand un fils spirituel a un souci, vraiment, ça touche tout le monde. J'ai dit Yako, nous sommes en prière, que Dieu le rétablisse rapidement. Voilà, nous sommes vraiment en prière. Voilà, je tenais à dire ça, nous sommes vraiment en prière. Et que Dieu tende sa main sur Ben Willy et que Dieu le rétablisse. Voilà, donc j'ai informé tous les enfants spirituels. Nous sommes en prière. J'ai dit aussi un grand coucou à sa femme. Et voilà, ben, la femme de Ben Willy. Donc voilà, shalom. Donc très bientôt, vous aurez toutes les informations. Shalom à vous.